arrête là et que, voilà, on ne donne plus de nouvelles. Je ressens plus rien pour toi, c'est fini. Oui. Pardon ? Quoi ? Non, mais je prie pour toi. Je suis en train de prier. Bah, prier, de toute façon, je sais pas nager. Ça tombe bien, je vais rien sentir. Mais tu sais que... Je vous entends pas. Je vous entends pas. Tu veux m'entendre ? Oui, approchez-vous, je vais pas vous manger. J'ai besoin de discuter. Ah, très bien. Si c'est seulement une histoire de fille, tu vaux plus qu'une fille. Mais elle a dit que j'étais un gros connard. Mais tu sais, il y a des filles qui sont cons, hein. Il vaut mieux pas que tu restes avec une fille qui dise des choses pareilles. Mais j'ai pas de boulot et je suis au RSA. Et ben... J'ai pas de travail. Et là, j'ai perdu mon emploi et de toute façon, j'en ai rien à foutre. Ce qui est bien, c'est que j'ai pas appris à nager, j'ai peur de l'eau. Ouais. Même si j'ai regardé Titanic, je m'en fiche. Ouais. Je vais me jeter de toute façon. S'il te plaît. Allez-vous-en, madame. S'il te plaît. Allez-vous-en, madame. S'il te plaît. Je vais me jeter. Tu sais, moi, je... Comment te dire ? Comment je vous entends pas en fait. Tu m'entends pas. Je vous entends mal. Approchez-vous, je vous entends pas. Comment te dire ? Je vais me jeter, je vais tu me jeter. Tu sais que tu es aimé ? Par qui ? Par Dieu. Ouais, mais je m'en fiche. Je vais me jeter, c'est tu tout. Tu connais Jésus ? Non, mais je vais me jeter, un Marie, point final. La Vierge Marie ? Oui. Alors la Vierge Marie. Je vais me jeter, c'est elle, tout. Elle dit que tu es mon enfant. Non, je vais me jeter, je sais pas nager en plus. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ? Eh ben c'est pas grave, priez pour moi, c'est tout. Que je prie pour toi. Qu'est-ce voilà. Que tu veux que tu... Donc tu crois en Dieu. Ouais, mais ouais. J'y crois plus maintenant. Tu croyais en Dieu. Tu es en Dieu des chrétiens, le Dieu des musulmans, le Dieu des bouddhistes. Lequel Dieu tu crois, toi ? Le Dieu des juifs ? De toute façon, on n'est pas là pour discuter de religion. Je vous dirai à ma famille que je les aimais fort. C'est qui ta famille ? C'est des bourrassiens. Bourrassiens, ça veut dire quoi ? S'il vous plaît, madame, allez-vous-en. Allez-vous-en, s'il vous plaît. S'il te plaît, mais moi, ça me fait... j'ai du mal. Au revoir. Que Dieu te bénisse. Merci, au revoir. N'aie pas peur. Mais pourquoi tu as peur ? Parce que je veux me jeter. Au revoir. Non, s'il te plaît. Je veux m'en aller, sinon tu vas rester. Je veux pas. Merci, madame. Merci. Super. Dans mes bras, tu peux ? Oui. Que Dieu te bénisse. Regardez. Hein ? Une expérience sociale. Ah, il est con. Merci beaucoup, madame. Vous voulez que je vous dise quelque chose ? Il y a eu 4 personnes en vélo qui sont passées. Vous savez, ceux qui livrent, là, les Uber, là, qui livrent, là, et tout ça. Et je leur dis que je vais me suicider, ils en ont rien à foutre. J'ai tracé vous, vous êtes arrêtés, vous avez pris du temps. Franchement, bravo et merci beaucoup. On voulait voir si les personnes, est-ce qu'ils sont indifférents face à ce genre de situation ou bien ils en ont rien à foutre, comme là, on a vu les vélos. En tout cas, vous. Bravo à vous. J'espère que... Salut la team du Père Boise, donc dans cette vidéo on n'a pas de son, enfin c'est moi qui n'ai pas mis de son parce que j'ai pas voulu car on est tombé sur un mec un peu bizarre qui regarde un peu de partout pendant 2 minutes 30 je crois, 2 minutes 30, il m'a fait chier. Donc voilà, c'est lui là avec sa chemise bleue, son pantalon beige, donc voilà, il a une paire de lunettes. Donc il y a plusieurs sortes d'êtres humains sur la Terre. Voilà, je le regarde pour essayer de lui faire comprendre que je vais me jeter. Bon, là, il a les mains sur les hanches. Voilà, il regarde un peu de partout. Donc là, il va essayer de se... Non, c'est pas maintenant qu'il va se diriger, mais là, il est en train de s'avancer pour voir ce qui se passe. Il comprend rien. Je sais pas qu'est-ce qu'il a. Il est complètement à côté de la plaque. Il sait pas quoi faire, en fait. Donc voilà, il regarde s'il y a de l'eau. Oui, il y a de l'eau. Donc il remet ses mains sur ses hanches. C'est incroyable. Et pas très loin, il y a une personne qu'on a piégée juste avant, donc je lui fais des signes pour pas griller le plan. Donc c'est une chinoise, elle lui dit rien du tout pour le laisser faire. Hein. Donc voilà, il me regarde. C'est long, hein, c'est long. Donc là, j'ai fait chute à la dame pour
pas quel gris plan. Donc là, il va se renseigner, il pense qu'il est dans un film, je sais pas. Voilà, donc là, il demande un peu. Et tout. Et moi, je pète un plomb à un moment donné, c'est bon, je descends. J'en ai rien à foutre. Je vais me suicider, monsieur. Pardon ? Je vais me suicider. Pourquoi ? Parce que j'en ai marre. De quoi ? De la vie. Ma femme m'a quitté il y a une semaine. C'est vraiment une revue ? Ouais. Faites comme si vous avez rien vu, c'est bon. Alors pourquoi vous êtes venu me parler ? Parce que j'ai besoin de parler. On va s'asseoir là-bas. Pardon ? On va s'asseoir là-bas. Non, je m'assois pas. Au revoir. Vous avez envie de parler ? Non, je vais sauter. De toute façon, je vais sauter, quoi qu'il arrive. Si vous sautez, j'appelle une ambulance. Bah, c'est pas grave, de toute façon, je serai déjà mort. Vous croyez ? Ouais. Au revoir. Ouais. Au revoir. Au revoir. C'est comment votre prénom ? Jérémy. Merci Jérémy, au revoir. Non, non. Tu pourras pas régler mes problèmes. Peut-être, mais je vous empêche pas de faire une bêtise. S'il vous plaît, allez-vous-en. Alors pourquoi vous êtes venu me parler ? Allez-vous-en. Allez-vous-en. C'est bon, je vais bien là. Vous êtes sûr ? Ouais, 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 je vais bien, ouais. C'est bon ? Et n'en parlez même pas à ceux qui arrivent, je vous le dis tout de suite. Voilà. Non, je vais pas faire. Voilà. Mais c'est bon, allez-vous-en. Mais c'est bon, laissez-moi. Mais laissez-moi tranquille. D'accord, mais je vais sauter avec. De toute façon, je vais sauter, laissez-moi tranquille. Vous me laissez tranquille, c'est tout. Merci, laissez-moi tranquille. Merci Jérémy. C'est vraiment votre prénom ? Merci Jérémy. Franck ? Yes. Bon acteur, bon acteur. Ah là 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 là, merci Jérémy, franchement. Hey, il a pas voulu partir, il a voulu rester à côté de moi. La team du Père Bourras, franchement, big up à Jérémy. Je me permets quelque chose ? Sentez mon cœur. Il bat à fond, j'ai eu très peur. Non, franchement, là, franchement, je suis sérieux. Franchement, je dis la vérité, je suis en train de toucher son cœur, il bat à fond. No more. Putain, t'as bien. Franchement, t'as bien intériorisé la chose. Vie est... Mais je vois, tu t'es à fond. La vie est précieuse. Est-ce que t'as un mot à leur dire, franchement ? Parce qu'il y en a plein qui passent, ils en ont rien à foutre en vélo, les Uber qui veulent livrer leur sandwich. Genre, je me jette, ils en ont rien à foutre. Je viens me rapprocher. Non, mais non, le micro, il est là. Ah, pardon. T'inquiète pas. Bah, franchement, gâchez pas votre vie. La vie est précieuse, on peut toujours se relever, franchement. Merci. Non, rien. Message reçu. Big up à toi, merci beaucoup. Big up. Allez. Ouais, il fait très peur quand même. Merci, Jérémy. J'ai rencontré quelqu'un, je pense que c'est mieux qu'on arrête là.